Allez, anglais, c'est parti. Bon, ça va, j'ai un peu d'avance. C'est aujourd'hui la fin du tournoi? La fin du tournoi est pour aujourd'hui. Ces dernières années, nous ne nous parlions plus. Ces dernières années. The last few words. Oui, non, longueur. Oh. Alors, the last few years, oui, non, longueur. Talking to each other. Et c'est pas ça. We were no longer talking to each other. They have not seen each other the last few years. Ils Years. ne se sont pas vus ces années. Ils ne se sont pas vus ces J'ai dernières supprimé années. les messages que j'avais écoutés. I was really hurt, so I ended up calling her. Je Je me m'inquiétais. inquiétais. Alors j'ai fini Alors, fini par par l'appeler. Appeler. Tu as vu les dessins que je t'avais faits, mamie? Did you see the drawing I had made for you, Grandma? After a long silence, Louise ended up waiting to me. Après un long silence, Louise a fini par m'écrire. Elle a lu à haute voix ce que nous avions écrit. Lu à haute voix ce que nous avions écrit. She read out loud what we had written. Elle a reçu la lettre que nous lui avions envoyée. Une coupure du live? Non. Elle a reçu la lettre que nous lui avions envoyée. She received the letter we had sent her. J'ai téléchargé la vidéo que vous m'aviez aviez. I download the video you had sent me. J'étais parti au parc quand il m'a appelé. I left to and for the park when he had called me. Oh, j'ai pas eu la correction. I ended up telling her the truth. J'ai fini. Non, c'est il a fini. Il a fini par nous dire vérité. Il a fini par Ces dernières vérité. Années, nous ne nous parlions plus. Alors, the last years, we were no longer talking to each other. J'étais parti au parc quand il m'a appelé. I had left for the park when he called me. Ah oui, c'est le que j'avais pas eu.
J'étais partie au parc quand il m'a appelée. Allez, next. He expresses his thoughts and hopes on this block. Il exprime ses pensées et ses espoirs. Il exprime ses pensées, ses espoirs sur ce blog. Blog. Ces derniers mois, j'ai beaucoup pensé à vous. The last. The last months. I thought a lot about you. Hier, j'ai regardé des photos que j'avais prises il y a des années. Elle était complètement perdue dans ses pensées. She was completely lost in her thoughts. Mamie, raconte-moi encore comment tu as connu papy. J'étais tombé, il est venu m'aider, voilà. I had fallen and he came to help me and voilà. And voilà. Yeah. J'ai l'impression qu'elle lit dans mes pensées. Elle devine tout ce que je veux faire. I have a feeling that she's reading my thoughts. She figures out everything I want to do. C'est fou, tu pars vraiment très loin. Tu vas nous manquer. Ne t'inquiète pas, on restera en contact par email. Don't worry, we will stay in touch by email. Tu étais déjà sorti quand Jean a appelé. You had already left when Jean called. Tu as lu les lettres que je lui avais écrites? Did you read him Did you read to him the letter I had written? Did you read the letters I had written to him? I did not succeed in reading what you had written. I did not succeed. Je ne ai pas réussi à lire ce que tu avais écrit. I did not succeed in reading what you had written. Ces derniers mois, nous nous sommes très peu vus. The last few months, we saw each other very little. They have not seen each other the last few years. Ils ne se sont pas vus ces dernières années. As-tu lu l'email que je t'avais écrit hier? Que je t'avais écrit? Yes, we did. I know, yes. J'étais partie au parc quand il m'a appelé. I had left for the park when he called me. When he called me. Qu'est-ce que j'ai écrit? I had left for... Oh, j'ai écrit Perk. Es-tu resté en contact avec ton ex, finalement?
Did you stay in contact? Je sais pas si c'est ça. With your ex. Finally. Ça va pas être ça, mais bon. Ah si. Après qu'il a. Après qu'il a déménagé, nous sommes restés en contact grâce à Internet. After he moved, we stayed in touch thanks to the Internet. Tu as jeté la lettre d'amour que je t'avais écrite. Tu as lu les lettres que je lui avais écrites? Did you read the letter? I had written to him. As-tu lu l'email que je t'avais écrit hier? Did you read the email I had written you yesterday? Ah, c'est stylé le short. Jaune. J'étais parti au parc quand il m'a appelé. I had left for the park when he called me. Oh, j'ai écrit hi with he. Tu as jeté la lettre d'amour que je t'avais écrite. You threw away the love letter I had written to you. J'étais parti au parc quand il m'a appelé. I had left for the park when he called me. Oh no. J'étais parti au parc quand il m'a appelé. And it's good. Allez, next. Ah, no. No, no, no. Il a mangé tout son dessert, alors il avait fini. Alors, non. Il avait mangé tout son dessert, alors il a fini par manger le mien. Je n'arrivais pas à te contacter, alors j'ai fini par appeler ta sœur. T'as bien fait de répondre au téléphone. Paul était déjà parti au marché quand le facteur est passé. Antoine m'a dit que tu m'avais appelé hier, c'est vrai? Ah oui, pardon, j'ai oublié de te rappeler. Oh yes, sorry, I forgot to call you back. Les nouvelles technologies changent très vite. New technologies change very quickly. Oh là là, papa n'a lu aucun de mes emails ni de mes messages. Tu sais bien qu'il n'aime pas la technologie. You know he does not like technology. Léa était déjà partie quand Luc est arrivé avec une heure de retard au restaurant. Il n'est pas sûr qu'elle voudra un jour le revoir. Il n'a jamais compris ce qu'elle avait dit. Il n'a jamais compris ce qu'elle avait dit. Il n'a jamais compris ce qu'il avait dit. Il n'a jamais compris ce qu'elle avait dit. He never understood what she had said. Eddie n'a pas de chance avec les technologies. Hier soir, sa télé s'est éteinte. Eddie a des problèmes. Sans technologie, on vivrait dans des grottes. Without technology. Technologie. Ah ouais. Without technology.
Ah, je sais pas. We would live in grotte. Caves, tout simplement. Ben avait dit qu'il ne parlerait plus à Issa, mais il a fini par la rappeler quand il a eu besoin de sa recette de pain pour son restaurant. Ben veut la recette d'Issa. New technologies change very quickly. Les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies changent très rapidement. Et j'ai cru au mensonge qu'elle m'avait dit. And I believe in the mensonge. And I believed in the lies she had told me. After waiting, I ended up hanging up. After waiting. Ça serait après avoir attendu. Est-ce que tu peux pas dire autrement? J'ai fini par me lever. Après avoir patienté, j'ai fini par raccrocher. What? Je n'ai pas pu lui parler parce qu'il était parti. I did not want to call him because I did not want to call him because he had left. He had left, c'est bon, because c'est pour voir. I could not talk to him. Qu'est-ce que j'écris? I did not want. Si j'écris je vouloir, quoi. Je n'ai pas voulu. I could not talk to him. He never understood what she had said. Il n'a jamais compris ce qu'elle avait dit. Il n'a jamais compris ce qu'elle avait dit. He had gotten the wrong address, therefore I did not receive anything. Il avait écrit la mauvaise adresse. Hein. Il s'était trompé d'adresse. Hein. Alors, je n'ai rien reçu. Allez, j'essaye. Il s'était trompé d'adresse. Hein. Alors, je n'ai rien reçu. Ah oui, c'est ça. Les nouvelles technologies changent très vite. Les nouvelles technologie change très vite. Je suis d'accord avec ça. New technologies change very quickly. Il n'a jamais compris ce qu'elle avait dit. Il n'a jamais compris ce qu'elle avait dit. He never understood what she had said. Et j'ai cru au mensonge qu'elle m'avait dit. And I believed in the lies that she had. And I believed in the lies she had told me. She had told. After waiting, I ended up hanging up. Après avoir patienté, j'ai fini par raccrocher. Je n'ai pas pu lui parler parce qu'il était parti. Je n'ai pas pu lui parler parce qu'il était parti.
I could not talk to him because he had été parti. Rest, il n'y a pas de already. Et j'ai cru au mensonge qu'elle m'avait dit. And I believed. And I believed in the lie that she had told me. Tu connais le code postal de Bordeaux? Oui, c'est 33 000. Yes, it's 33,000. Thousands, maybe. Vous êtes préparé pour sortir. Vous vous étiez prêt pour sortir. Mais finalement, vous êtes endormi. La carte postale que vous m'aviez envoyée s'est perdue. Perdu. Je ne l'ai jamais reçue. The postcard you had sent me got lost. I never received it. Il avait écrit le mauvais code postal, alors sa grand-mère n'a jamais reçu le courrier. Pourquoi Caroline a-t-elle besoin de 50 trains? Elle envoie une carte à chacun de ses amis. She is sending a card to all of her friends. Nous nous étions déjà couchés quand elle a appelé. We had already gone to bed when she called. She wrote a letter to each one of her friends. Elle a écrit une lettre à chacun de ses amis. I had received a gift from each one of my nieces. Je avais reçu un cadeau. Un cadeau. De chacune de mes nièces. Salut Marie. Merci beaucoup pour ta carte. Elle est arrivée en retard parce que tu n'avais pas écrit le bon code postal. L'adresse n'était pas bonne, voilà. They loved the picture you had sent. Ils ont adoré les photos que vous aviez envoyé. Nous n'avons jamais reçu les meubles que nous avions commandés chez vous. Je me demande si vous les avez vraiment envoyés. Ces personnes parlent à leur fils, ne sont pas satisfaites, veulent acheter un véhicule. Vous vous étiez amélioré, mais ça n'a pas duré. You had improved, but it did not last. Ils ont adoré les photos que vous aviez envoyées. They loved the photos that you had sent. Nous étions sortis quand le facteur est passé. We had out when the courier
We had gone out when the Mikhail stopped by. Okay. Il a écrit exactement la même à chacun de nous. No. He wrote the same. He wrote exactly the same to each one of us. Yes. Nous nous étions disputés, mais je lui ai pardonné. We had argued, but I forgave her. Do you know the zip code for Nance? Tu connais le code postal de Nantes? Nous étions sortis quand le facteur est passé. We had gone out when the maker stopped by. Yes. Hard again. Why not? Elles avaient décidé de louer une voiture, mais finalement, elles ont pris les vélos. Mes parents avaient oublié d'envoyer l'invitation à Charlotte. Ah, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue alors. Ah, that is why she did not come to him. Ils s'étaient mariés dans les années 60 et se sont séparés dans les années 80. Je n'ai aucune nouvelle de Léo depuis lundi. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'est juste parce qu'il est occupé. I think it is just because he is busy. Explique-moi ce que ce message signifie. Explique-moi ce que ce message signifie. Tu as acheté le pain, je t'avais laissé un message sur ton répondeur. Ah, désolé, je n'ai pas encore écouté mes messages. Oh, sorry, I have not listened to my messages yet. Alice et Elsa étaient restées en contact pendant de longues années, mais un jour, elles se sont disputées et depuis, elles ne se parlent. Ne sont plus tu en étais sorti, alors j'ai discuté avec le répondeur. J'y suis allée, mais elle était déjà partie. Je sais pas comment écrire ça. Went, go, but, mais elles étaient déjà parties. Enfin, ça serait but, they had already left, gone. Je vais essayer comme ça. Avant de partir, Paul et Anna n'avaient pas écouté le message de Luc sur leur répondeur et ils sont donc allés au mauvais restaurant. Paul et Anna sont trompés d'endroit. Not good. Que signifie ce paragraphe à votre avis? Que signifie ce paragraphe à votre avis? What does this paragraph mean in your opinion? Le répondeur est plein, supprime des messages. Répondeur. The voicemail is full. Delete some messages. Explain to me what this message means. Explique-moi
ce que ce message signifie. I called it and left the message on voicemail. I got it. J'ai appelé et laissé un message sur le répondeur. J'ai appelé et laissé un message sur le répondeur. I deleted the messages I had listened to. J'ai supprimé les messages que j'avais écoutés. They found the letter that had gotten lost. They found the letter. Ils ont trouvé les lettres que j'avais perdues. Ils ont trouvé les lettres que j'avais perdues. Ils ont trouvé les lettres qui s'étaient perdues. Sat gotten lost. Ah oui, c'est ça. Que j'avais perdu. That I had lost already. I listened to the piece that they had talked to me. J'ai écouté la pièce. They had talked. Non, ils m'avaient parlé. J'ai écouté le morceau dont elle m'avait parlé. Que signifie ce paragraphe à votre avis? Que signifie ce paragraphe à votre avis? Que signifie ce paragraphe à votre avis? What does this paragraph mean in your opinion? They found the letters that had gotten lost. Ils ont trouvé les lettres qui s'étaient perdues. I listened to the piece that they had talked to me about. Ah, je vous ai retenu. J'ai écouté la pièce qu'elle m'avait parlé. J'ai écouté le morceau. Ah, ça aurait marché, alors j'ai écouté la pièce dont elle m'avait parlé. Que signifie ce paragraphe à votre avis? What does this paragraph mean in your opinion? They found the letter that had gotten lost. Ils ont trouvé les lettres qui s'étaient perdues. Allez, je vais essayer. J'ai écouté la pièce. Carlos m'avait parlé. J'ai écouté le morceau dont elle m'avait parlé. J'ai écouté le morceau qu'elle m'avait parler. Ah non, ça ne prend pas, il faudrait en mettre dedans.
J'ai écouté le morceau dans Alos. Ah, mais c'est ça que j'ai oublié. J'ai écouté la pièce. Dont elle m'avait parlé. Mais ça devrait le prendre. Hein. J'ai écouté le morceau dont elle m'avait parlé. Oh non. J'ai écouté le morceau dont elle m'avait parlé. Sold out. This is not true. Vous m'avez promis de m'acheter un livre et vous m'en aviez acheté deux. Vous m'aviez promis de m'acheter un livre et vous m'en avez acheté deux. Merci. Ce que j'avais espéré, c'est en fait réalisé. Je suis si heureuse. What I had hoped for finally come true, I'm so happy. Tout ce que nous avions espéré pour notre couple s'est réalisé. C'est dommage, vous vous entendiez bien. C'est normal, vous êtes parfaites ensemble. That's it's normal, you're perfect together. Je suis profondément déçu, je m'attendais à mieux de votre part. Reconnaissant. Mais non, c'était ça, tu m'avais promis du champagne et des macarons devant la tour Eiffel et on a mangé des pizzas avec du soda chez nous. Je suis un peu déçu. Cette personne préférait les macarons. Ils sont toujours profondément amoureux. C'est beau de voir un amour aussi fort. They are still deeply in love. It's beautiful to see a love so strong. Le vœu que Ben avait fait s'est enfin réalisé. Il nage avec les requins. Il a toujours aimé faire de la plongée. Ben est heureux. I admit my mistake and I apologize. J'admets mon erreur. Mon erreur. Et je m'excuse. Tu n'as pas fait les choses que tu avais promises. You did not do the things you had promised. J'ai su que mes vœux s'étaient enfin réalisés. Réalisés. I knew my wishes had finally come true. You did not do the things you had promised. You did not do. Tu ne as pas fait les choses que tu avais promises. Hugo, souffle tes bougies et fais un vœu. Hugo, blow your candle and your candles out and make a wish. Il n'admet jamais ses erreurs. C'est énervant. He never. Comment on dit admettre? Ah, je l'ai vu un peu tout à l'heure. Admet. Admit, tout simplement. D'accord. He never admit. His mistakes. It is énervant. Annoying. He never admits. Ah ouais, j'ai écrit high. Je
mon Dieu. He never admits his mistakes. It is annoying. Il a admis qu'il avait oublié d'envoyer ma lettre. He had admitted. He had forgotten to. Send my letter. J'étais profondément triste de ne pas te voir. Profondément. Oh là là, je reconnais en plus ça. I had deeply sad to not see you. Deeply sad to not see you. I was deeply sad. Cette nouvelle m'a rendu profondément malheureux. This news made me deeply unhappy. Tu es vraiment énervant quand tu conduis. Tu ne connais pas le chemin, admets-le. Vraiment. Un GPS, ils ont besoin. Je suis profondément déçu. Je m'attendais à mieux de votre part. I'm deeply disappointed. I expected better from you. Il n'admet jamais ses erreurs. C'est énervant. He never admits his mistakes. It is annoying. Boom, ça passe. J'étais profondément triste de ne pas te voir. J'avais dit que I was. Était. I was deeply sad to not see you. C'est ça. Hugo, souffle tes bougies et fais un vœu. Hugo, blow out your candles and make a wish. On this envelope, the zip code is badly written. Sur cette enveloppe. Sur cette enveloppe, le code postal est mal écrit. Vous vous étiez amélioré, mais ça n'a pas duré. You had improved, but it did not last. Did you read the letters I had written to him? Tu as lu les lettres que je lui avait écrite. Mes pensées vous accompagnent dans ces moments difficiles. My thoughts accompagner. Comment on dit ça? Accompanying. Accompanying you in these difficult times. Yeah. You did not do the things you had promised. Tu n'as pas fait les choses que tu avais promises. Tu ne as pas fait les choses que tu avais promis. Tu as vite oublié l'amour que tu m'avais promis. You quickly forgot the love you had promised me. N'en cherche pas le sens. Ça ne signifie rien. Don't look for the meaning of it. It means nothing. Félicitations et tous nos meilleurs vœux. Congratulations and all our best wishes. Ils ne se sont pas vus ces dernières années. They have not seen
They have not longer seen each other the last few years. I did not succeed in reading what you had written. Je n'ai pas réussi à lire ce que tu avais écrit. Je ne ai pas réussi à lire ce que tu avais écrit. Ils ne se sont pas vus ces dernières années. They have not seen each other the last few years. Elle cuisine, elle écrit toutes ses pensées, puis elle en fait de beaux poèmes. She writes all her thoughts down, then she makes beautiful poems out of them. The last few months, we saw each other very little. The last few months. Ces derniers mois, nous nous sommes très peu vus. Nous sommes restés en contact depuis l'école primaire. We have stayed in touch since elementary school. You had already gone out when John called. Tu étais déjà sorti quand Jean appelait. Grâce à Internet, nous sommes restés en contact. Thanks to the internet, we stayed in touch. Grâce à Internet, nous sommes restés. I did not succeed in reading what you had written. Je ne ai pas réussi à lire ce que as écrit. Je n'ai pas réussi à lire ce que tu avais écrit. Hier, Luc a retrouvé un cahier dans lequel son grand-père avait écrit ses pensées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était intéressant. Luc a écrit ses pensées. Luc a un souvenir de son papy. If only I could read this thoughts. Si seulement je pouvais lire dans ses pensées. Ma meilleure amie habite au Brésil. J'y ai habité pendant 5 ans. J'ai déménagé au Japon l'an dernier, mais nous sommes restés sans contact. Cette personne habite en plusieurs pays. This app allows us to stay in touch. Cette application. Cette appli nous. Cette appli nous permet. De rester en contact. They have not seen each other the last few years. Ils ne se sont pas vus ces dernières années. It translates the text I had written the day before. Il a traduit le texte que j'avais écrit la veille. Tu étais déjà sorti quand Jean a appelé. You had already left when Jean called. She was completely lost in her thoughts. Elle était complètement perdue dans ses pensées. J'étais parti courir quand tu es arrivé chez moi. Quand tu es arrivé chez moi. I had left to run when you arrived at my place. Tu as jeté la lettre d'amour que je t'avais écrite.
Yoflo. Yoflo. Est-ce que ça s'écrit ça? Jeter. Ah non. Yoflo away. The love letter that I had written to you. He expresses his thoughts and hopes on this blog. Il a exprimé ses pensées et ses espoirs sur ce blog. Il a exprimé ses pensées et ses espoirs sur ce blog. Oh, il exprime ses pensées et ses espoirs sur ce blog. Grâce à Internet, nous sommes restés Grâce en contact. À Internet, nous sommes restés en contact. Thanks to the Internet, we stayed in touch. Grâce à Internet, nous sommes restés. He expresses his thoughts and hopes on this blog. Il exprime ses pensées et ses espoirs sur ce blog. Grâce à Internet, nous sommes restés en contact. Tu parlais Flammer tout à l'heure. Grâce à Internet, nous sommes restés en contact. Grâce à Internet, nous sommes restés en contact. Ah non, j'ai rien dit. Olé. On devrait refuser la technologie. Les téléphones portables et tous les trucs comme ça. We should refuse technology, cell phones, and all the things like that. Léa était déjà partie quand Luc est arrivé avec une heure de retard au resto. Oh, il n'est pas sûr qu'elle voudra un jour le revoir. Luc n'a pas vu Léa. Ils réparaient le moteur, alors ils ont fini par se marier. Ils étaient très amoureux. They were very in love, so they ended up getting married. Les nouvelles technologies changent très vite. Les nouvelles technologies changent très vite. New technologies change very quickly.
Ben avait dit qu'il ne parlerait plus à Isa, mais il a fini par la rappeler quand il a eu besoin de sa recette de pain pour son restaurant. Ben veut la recette d'Isa. Il a fini par nous dire la vérité. Il a fini par nous dire la vérité. He ended up telling us the truth. He had gotten the wrong address, therefore I did not receive anything. Il s'était trompé d'adresse, donc je n'ai rien reçu. And I believed in the lies she had told me. Et j'ai cru. Et j'ai cru au mensonge. Mensonge. Qu'elle m'avait dit. I opened the horns the May Carrier had brought. J'ai ouvert ce que le. J'ai ouvert ce que le facteur avait apporté. Il n'a jamais compris ce qu'elle avait dit. Il n'a jamais compris ce qu'elle avait dit. He never understood what she had said. Sans technologie, on vivrait dans des grottes. Without technologies, without technology, we would live in caves. I could not talk to him because he had left. Je n'ai pas pu lui parler parce qu'il était parti. Que ferait-on sans la technologie moderne? Que ferait-on? What we did without the modern technology, what would what would we do without modern technology? Écrire. After a long silence, Louise ended up writing to me. Après un long silence, Louise. Après un long silence, Louise a fini par me écrire. He ended up telling us the truth. Il a fini par nous dire la vérité. You repeat. All the secrets we had told you. Tu as répété tous les secrets que we had told you. On te dit. I prefer to communicate without all this technology. Je préfère communiquer sans toute. I prefer to communicate without all this technology. C'est technologie. Ah ouais, prends un pigeon, tiens. C'est mieux qu'un email, ça va plus vite. Que ferait-on sans la technologie moderne? What would we do without the modern technology? Je préfère communiquer sans toute
cette technologie. J'ai besoin du code postal de ta ville pour compléter son adresse. I need your city's zip code to complete your address. We had gone out when the mail carrier stopped by. Nous étions sortis quand le facteur est passé. Nous étions sortis quand le facteur est passé. I had received a gift from each one of my nieces. J'avais reçu un cadeau de chacune de mes nièces. They loved the pictures you had sent. Ils ont adoré les photos que vous aviez envoyées. Ils ont adoré les photos que vous aviez envoyées. He broke the tablet you had given me. Him. Il a cassé la tablette que vous lui aviez offerte. Salut Marie, merci beaucoup pour ta carte. Elle est arrivée en retard parce que tu n'avais pas écrit le bon code postal sur l'enveloppe. Quel est le problème? L'adresse n'était pas bonne. He made that promise to each one of his exes. Il a fait cette promesse-là à chacune de ses ex. Nous n'avons jamais reçu les meubles que nous avions commandés chez vous. Je me demande si vous les avez vraiment envoyés. Ces personnes ne sont pas satisfaites. On this envelope, the zip code is badly written. Sur cette enveloppe, le code postal est écrit. Bonjour Léa, je suis passé chez vous ce matin, mais vous étiez déjà parti en vacances. Soyez tranquille, je m'occuperai bien du chat. La voisine de Léa. Tu dois écrire le code postal sur l'enveloppe. You have to write the postcode on the envelope. Il a écrit exactement la même à chacun de nous. Il a écrit exactement la même à chacun de nous. He wrote exactly the same to each one of us. On a partagé le lien que vous nous aviez envoyé. We shared the link you had sent. I should be hers. Nous étions sortis quand le facteur est passé. We had gone out when the mail carrier stopped by. We had argued, but I forgave her. Nous nous sommes disputés, mais je lui ai pardonné. Ils ont adoré les photos que vous aviez envoyées. And they loved it. Ils ont adoré les photos. Ils ont adoré les photos que vous aviez envoyées. They loved the picture that you had sent. We wrote exactly the same to each one of us. Il a écrit exactement la même à chacun de nous. On
On a partagé le lien que vous nous aviez envoyé. On a partagé le lien que vous nous aviez envoyé. We shared the link that we had sent us. We shared the link you had. Nous nous étions disputés, mais je lui ai pardonné. We had argued, but I forgave her. On a partagé le lien que vous nous aviez envoyé. We shared the link you had sent us. Parfait, ça. Perfect. J'ai laissé un message sur ton répondeur, tu ne l'as pas écouté. I left a message on your voicemail. Did you listen to it? Si j'ai bien compris le message qu'a laissé Monica à Ben sur son répondeur, je crois que cela signifie qu'il est maintenant célibataire. Monica a quitté Ben. Je me demande ce dont cela signifie. Non, ce que cela signifie. I'm wondering what that means. Avant de partir, Paul et Anna n'avaient pas écouté le message de Luc sur leur répondeur. Et ils sont donc allés au mauvais restaurant. Elles avaient prévu de venir. Le week-end dernier. Elles avaient prévu de venir le week-end dernier, mais finalement, elles ont dû travailler. They had planned to come last weekend, but in the end, they had to work. Le répondeur est plein. Supprime des messages. The voicemail is full. Delete some messages. They had forgotten the zip code, but it arrived. They had forgotten. Ils avaient oublié le code. Mais le code postal. Mais ce est arrivé. But it arrived. Mais c'est arrivé. Ils avaient oublié le code postal, mais c'est arrivé. Explique-moi ce que ce message signifie. I checked if the packages had already arrived. I checked. Je ai vérifié si les paquets étaient arrivés. J'ai vérifié si les paquets étaient déjà arrivés. They had not listened well and they forgot everything. Ils n'avaient pas bien écouté et ils ont tout oublié. J'y suis allé. Mais elle était déjà partie. I went. T'as joué essayer de mettre d'air. I went there. But they had. Était. Already. Left. Ah oui, ça passe. Tout à l'heure, j'ai écrit « went », but they had already left. Avec le terre, ça marche aussi. They had gone out when I stopped by their place. Ils étaient sortis quand je suis passé chez eux. Ils avaient oublié le code postal, mais c'est arrivé.
They had forgot the podcast, but it arrived. They had forgotten the zip code, but it arrived. I deleted the messages I had listened to. J'ai supprimé les messages que j'avais écoutés. Expliquez-moi clairement ce que ça signifie. Explain to me clearly what that means. Explain to me what this message means. Expliquez-moi ce que ce message veut dire. The link word they had sent me to shed me, the kind word, le gentil mot, qu'ils m'avaient envoyé, m'a touché. Le gentil mot qu'ils m'avaient envoyé m'a touché. Vous m'avez touché peut-être, non? Le mot gentil qu'ils m'avaient envoyé m'a touché. Ils avaient oublié le code postal, mais c'est arrivé. They had forgotten the postcode. They had forgotten the postcode. The postcode. But they. Ah, mais c'est arrivé. But it is arrived. The kind word they had sent me to shoot me. Le mot gentil qu'ils m'avaient envoyé m'a touché. Ils avaient oublié le code postal, mais c'est arrivé. They had forgotten the postcode. They had forgotten the postcode, but it is arrived. Ah bon, they had forgotten the zip code. Code postal. Mais c'est arrivé, but it arrived. Ah ouais, j'ai qu'une impression. Ils avaient oublié le code postal, mais c'est arrivé. They had forgotten the postcode, but it arrived. Ah bon, zip code et postcode, ça marche. Je pense que aussi. Si je fais des efforts, si tu fais des efforts, tes rêves se réalisent. If you make an effort, your dreams will come true. Hugo blew out your candles and make a wish. Hugo souffle tes bougies et fait un vœu. Mais non, il n'y a pas d'X. Il y a un bateau sur la rivière. Après avoir souffler les bougies du gâteau, elle a fait un vœu. After blowing out the candles on the cake, she made a wish. The dreams I had had come true. Les rêves que j'avais faits se sont réalisés. Antoine ne sait pas admettre qu'il a tort. Antoine does not know how to admit he is wrong. Quelle heure c'est? I admit my mistake, and I apologize.
J'admets mon erreur. Et je m'excuse. J'étais profondément triste de ne pas te voir. J'étais profondément triste de ne pas te voir. I was deeply sad to not see you. Qu'est-ce que j'écris pro? Ah ouais, alors de profondément, j'écris profondément. C'est pas mal, profondément. This is a new word. Le vœu que Ben avait fait s'est enfin réalisé. Il nage avec les requins. Il a toujours aimé faire de la plongée. C'est un grand moment. Ben est heureux. Tu n'as pas fait les choses que tu avais promises. You did not do the thing that you did not do the thing that you had promised. You did not do the things. Ah, oh, j'écris think, pensez. Chaque fois, je fais la même. Je dois admettre qu'Elsa me surprend chaque jour, même après 10 ans de mariage. C'est une personne profondément gentille et courageuse. Une collègue d'Elsa. Bravo. J'aurais dû relire. You had promised me ice cream and you gave it to me. Tu m'avais promis une glace et tu me l'as offerte. You did not do the things you had promised. Tu n'as pas fait les choses. Tu n'as pas fait les choses. You did not do the things you had promised. Tu n'as pas fait les choses que tu avais promises. He was deeply disappointed because of Paul. Il était profondément déçu à cause de Paul. Bon, j'avais promis d'écrire, mais je ne l'ai pas fait. J'avais promis d'écrire, mais je ne l'ai pas fait. I had promised to write, but I did not do it. Alors, elle a fini par admettre la vérité. Alors, elle a fini par admettre la vérité. So she ended up admitting the truth. All the wishes I had made come true. All the wishes. Tous les souhaits que j'avais fait come true. Tous les souhaits que j'avais fait se sont réalisés. Alors, se sont réalisés. C'est bon, c'est tous les vœux. Souhaits, c'était bon aussi. Tous les souhaits que j'avais fait se sont réalisés. I was deeply sad to not see you. I was deeply. J'étais profondément déçu de ne pas te voir. J'étais profondément triste. I was. Hugo blew out your candles and make a wish. Hugo souffle tes bougies et fait un vœu. J'étais profondément triste de ne pas te voir. I was deeply sad to not see you. Tu n'as pas fait les choses que tu avais promises. You did not do
Tu n'as pas fait les choses que tu avais promises. You did not do. Tu n'as pas fait les choses que tu avais promises. You did not do the things that que tu avais promis, that you had promised. Je dois admettre qu'Elsa me surprend chaque jour, même après 10 ans de mariage. C'est une personne profondément gentille et courageuse. Un mari amoureux. I was deeply disappointed because of Paul. J'étais profondément. Ah, voilà pourquoi j'ai fait tout à l'heure. Là, il y a écrit déçu. J'étais profondément déçu à cause de Paul. Oh, c'est pas j'étais, c'est il était. All the wishes I had made come true. Tous les vœux que j'avais fait. Alors, je voulais écrire souhait, moi j'avais dit tous les souhaits que j'avais fait se sont réalisés. Voilà, ça marche. I was deeply sad to not see you. I was deeply sad. J'étais profondément triste de ne pas te voir. J'étais profondément triste de ne pas te voir. I was deeply sad to not see you. I was deeply disappointed because of you. I was deeply disappointed. Mais j'ai des erreurs. 45 et 45 mistakes. Il fait beau, on va faire griller la viande et manger dehors. D'accord, je sors le barbecue. Ok, we'll get the barbecue out. J'achète toujours des produits de qualité. Ce cacao en poudre est le meilleur. Tu les fais cuire combien de temps tes œufs durs? Je les laisse 8 minutes dans l'eau très chaude. I left them in very hot water for 8 minutes. C'est un sucre en poudre de la meilleure qualité. Hugo vit seul depuis un mois. Il n'a jamais appris à cuisiner. Mais il sait préparer les œufs brouillés et des œufs durs. C'est un début. Hugo est un spécialiste des œufs. Il prend des œufs brouillés au petit déjeuner. Et scrapettes. Alors, scrap. For breakfast. Ah, c'est pas scrapettes. Brouillé. Ça veut dire quoi déjà, scrapet? Mis au rebut. Scrapped. Scrapped. C'est pas scrapet, c'est scrapped. Scrapped.
his having scrummed. Ah, j'ai pas le dire, t'as du coup. Scrambled. He's having scrambled eggs for breakfast. C'est bien, vous avez fait un beau gâteau, mais il y a du cacao en poudre partout et personne n'a fait la vaisselle. J'en ai marre. La cuisine est sale. Est-ce qu'il y a des œufs durs dans la salade? Order. Order hard-boiled eggs in the salad. Il faut faire griller le steak assez longtemps. You must grill the steak long enough. You can add a little powdered milk. Tu peux ajouter un peu de lait. Tu as mis du cacao en poudre dans le gâteau? Did you put... Oh là là, c'est dur ça. Alors, c'est pas cacao, c'est cocoa. In the cake. She puts a little butter in her scrambled. If she puts a little butter in her scrambled eggs. Elle a mis un peu de beurre dans ses œufs brouillés. Elle met un peu de beurre. Dans ses œufs brouillés. Tu me donneras ta recette des œufs brouillés? Can you give me... Will you give me? Will you give me your scrambled eggs recipe? Oh no. Did you put cacao powder in the cake? As-tu mis du cacao en poudre dans le gâteau? As-tu mis du cacao en poudre dans le gâteau? I think you grilled the meat too much. Je pense que tu as trop grillé la viande. I think you grilled the meat too much. Je pense que tu as trop grillé la viande. How long do you cook hard? Boiled eggs. How long do you cook? Combien de temps do you cook? Combien de temps fais-tu
cuire des œufs durs. Combien de temps fais-tu cuire les œufs durs? I like to cook good quality products. I like to cook. J'aime cuire des produits de qualité. J'aime cuisiner des produits de bonne qualité. Ah oui, j'ai oublié good. Il prend des œufs brouillés au petit déjeuner. He have scrambled eggs for breakfast. Ah, see, he is having. Ah, he has. He has. Ça devrait marcher. She puts a little butter in her scrambled eggs. Elle met Elle met un peu de beurre dans ses œufs brouillés. How long do you cook hard-boiled eggs? Combien de temps fais-tu cuire les œufs durs? I like to cook good quality products. J'aime cuisiner des produits de bonne qualité. Il prend des œufs brouillés au petit déjeuner. He has crumbed eggs for breakfast. Là, ça marche. Eh oui. Ok, and it's over for today, I think. Oh yes, it's over for today. Thanks for watching me. See you tomorrow.